danser. Bon, aujourd'hui, nous allons voir ensemble un dessert que j'aime beaucoup, les perles de tapioca. Donc, pour ces perles, vous allez trouver partout dans les magasins asiatiques. Voilà. Et pour commencer, on va faire cuire nos perles de tapioca. Suivez-moi. Une fois que mon eau bouillit, là, je vais ajouter mes perles. La quantité d'eau pour faire bouillir vos perles n'est pas très importante. Il faut juste remplir votre marmite parce que tout à l'heure, avec l'amidon et tout, et puis les perles, elles vont gonfler. Donc, il faut avoir vraiment une casserole un peu large et l'eau à couvrir vos perles. Donc, vous ajoutez plus d'eau. Il faut vraiment que ça soit, que les perles soient à l'aise dans leur baignoire. Voilà. Donc, on va les laisser cuire, mais on continue de temps en temps à remuer comme ça parce que sinon elles vont coller au fond. N'oubliez pas de toujours les remuer. Ok? Donc, on va suivre. Pour savoir comment elles sont cuites, nos perles, là, vous voyez, elles sont toutes blanches, comme ça, couleur et tout. Et au fur et à mesure, elles deviennent transparentes. Et chaque fois qu'elles deviennent plus transparentes, ce petit blanc va disparaître. À la disparition du blanc, ça veut dire que les perles, elles sont prêtes. Vous allez voir comment ça se passe tout à l'heure. N'hésitez pas à ajouter de l'eau. Si elle absorbe votre eau, c'est normal parce que quand elle gonfle, elle va absorber l'eau. Donc, vous ajoutez et vous continuez. Ça donne quand c'est cuit. Elles deviennent complètement transparentes, comme vous voyez. Là, on va éteindre et couvrir. Laissez le temps de préparer nos outils pour la suite de la recette. Le temps de pose de ma paprika, je prépare le reste des ingrédients. Là, on aura besoin du lait de coco, bien sûr. Pour ceux qui n'aiment pas le lait de coco, c'est pas grave, vous pouvez le remplacer avec du lait normal. Ensuite, nous ajoutons du lait concentré, sucré bien sûr. Et ceux qui ne mangent pas le sucre, c'est pas trop grave, il y a le lait concentré sans sucre. Et ceux qui n'ont pas du tout du lait concentré, c'est pas aussi grave, vous pouvez y ajouter que du sucre et de la vanille. Et c'est que du bonheur. On a une solution pour tous les problèmes, ne vous inquiétez pas. L'important, le lait de soja aussi pour ceux qui ne digèrent pas. Donc, si vous voulez du lait de soja, du lait de coco, du lait normal, n'importe quel lait, juste du lait. Et voilà. Donc, on va faire le mélange de notre lait de coco et de lait concentré sucré, bien sûr. Et on va le mettre de côté. On a besoin d'un chinois et d'une bassine ou quelque chose pour rincer nos perles de paprika. Donc, on vient, l'amidon, on la passe comme ça. Là, on va jeter l'amidon là et on va commencer à la rincer à l'eau claire. On a de l'eau claire qu'on va venir verser dans notre marmite sur nos perles et on va les rincer. Pour enlever l'excès de l'amidon, si vous ne rincez pas, quand vous allez mettre du lait et tout, vous allez avoir un dessert qui va coller, qui va pas être vraiment agréable. Et vous allez voir avec moi, quand on enlève l'excès de gluant de l'amidon, les perles, vous voyez, elles deviennent plus belles, plus douces. Je sais pas comment ça. Voilà. L'important, c'est que vous avez compris.
On va ajouter ça. Mélange du lait de coco et du lait concentré. Je vais ajouter mes perles de tapioca. La maison, j'ai séparé mes perles en deux. Parce que tout simplement, j'ai deux parfums à mettre. Donc celle-ci, elle sera avec des fruits. Vous allez voir tout à l'heure en image, je vais mettre des fruits, une salade de fruits. Si vous voulez mettre de la mangue, comme vous voulez. À la fin, vous allez voir en image comment je vais faire. Mais celle-là, je vais la faire avec de la noix de coco. Que vous allez voir tout à l'heure comment faire, mais je vais vous expliquer juste quelque chose. C'est que tout à l'heure, quand je vais finir de râper mon coco, que vous allez voir, je vais incorporer mes cocos à mes perles et je vais les faire bouillir 2 à 3 minutes. Ensuite, je les mets dans la ramequin, laisser refroidir et les mettre au frigo. N'oubliez pas de toujours remuer, sinon elles vont coller en bas. Donc, le but, c'est qu'elles s'affaissent un peu pour ne pas qu'elles restent comme ça liquides quand on va la manger. Voilà. Donc, sur ce, les amis, suite à l'image, et j'espère que vous avez aimé ma recette et que vous allez la faire pour le bonheur de vos enfants et votre famille, bien sûr. Et si j'ai oublié ou mal expliqué quelque chose, ça sera avec un énorme plaisir de vous répondre. Il suffit juste de poser la question.